تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فشلت قريش في كف النبي صلى الله عليه وسلم بإغرائه بالمال والشرف، ولما رأوا الرجال والنساء يزدادون عددهم ويدخلون في دين الله، لجأوا هنالك إلى تعذيب من قدروا عليه من المسلمين، فكان الضعفاء منهم أول الضحايا. Donc lorsque les notables de Quraysh échouèrent dans la tentative de négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'arrêter de prêcher moyennant une compensation matérielle, et constatant que le nombre de fidèles ne faisait qu'augmenter, ils décidèrent donc de torturer les croyants, et particulièrement les plus faibles d'entre eux. وَمِمَّنْ عُذِّبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ وَكَانَ عَبْدًا لأمية بن خلف، وكان أمية يخرجه عند الظهيرة فيؤمر به فيوضع على صدره حجر ضخم، فيقول له أمية: لا تزال كذلك حتى تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيجيبه بلال: أحد أحد، ويكررها مرارا، حتى مر من هنالك أبو بكر رضي الله عنه، فرأى بلال يعذب، فقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ فقال له أمية: أنت الذي أفسدته. فاشتراه أبو بكر وثم أعتقه. Donc parmi l'exemple que nous prendrons parmi ceux qui ont été torturés par les notables de Quraysh, Bilal ibn Rabah, qui était un esclave de Umayya ibn Khalaf, et Umayya, il faisait en sorte de le sortir donc au moment où le soleil était le plus, disons, ardent. Il le faisait sortir et il donnait ses ordres pour qu'on le couchât sur terre et qu'on plaçât sur sa poitrine un rocher, une roche énorme. Et il lui disait: tu resteras ainsi jusqu'à ce que tu renies la religion de Mohammed et que tu adores Al-Lat et Al-Uzza. Mais Bilal lui répondait, en étant sous la torture, il répondait, l'unique. Et ceci donc continua jusqu'à ce que Abu Bakr, radiallahu anhu, passe par les quartiers de Banu Jumah, c'est la tribu de Umayya, et voyant la torture sous laquelle était Bilal, il dit à Umayya: ne crains-tu pas Allah en torturant ce malheureux? Et Umayya lui répondit: c'est toi qui l'as corrompu. Et Abu Bakr le racheta de Umayya et l'a franchi. واستمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه يشتري الضعفاء من العباد من المسلمين رجالا ونساء ويعتقهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه آيات تخبر أن أبا بكر قد أعتق من النار بسبب إنفاقه في عتق المسلمين من ماله لوجه الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Donc Abu Bakr continua à, disons, lorsqu'il vit effectivement que des esclaves étaient sous la torture, il continua à racheter les esclaves et à les affranchir, et il dépensa une somme d'argent importante à cet effet. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala révéla dans les derniers versets de la sourate Al-Layl, il révéla les versets qui nous indiquent que Abu Bakr sera épargné du feu de l'enfer du fait qu'il dépense son argent pour aider donc ces malheureux, et il ne le fait que
pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vise aucune compensation qu'une autre compensation, disons, en accomplissant cet acte. وزاد من تذمر قريش أنهم اكتشفوا أن حتى أبناءهم دخلوا في الإسلام فهنالك وثبوا عليهم يعذبونهم فكانوا يعذبونهم بالجوع والعطش وبالضرب وبشتى أنواع التعذيب حتى إن بعضهم كان يقال له اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم حتى إن بعضهم كان يمر الجعل يعني الخنفساء السوداء يمر الجعل من أمامه فيقال له هذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم. Donc ce qui a accru la colère de Quraysh, c'est qu'ils ont découvert que même leurs propres enfants s'étaient convertis à l'islam. Et à ce moment-là, ils ont pris des mesures drastiques et ils ont procédé à la torture de leurs propres enfants par, la faim, la soif. Ils ne leur donnaient ni à manger ni à boire. Ils les frappaient et ils les torturaient des manières, de toutes sortes de manières, jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. À tel point que certains d'entre eux, on leur disait, est-ce que Al-Lat et Al-Uzza sont des divinités à part Allah? Et ils répondaient oui, tellement la torture était terrible. Et à tel point que certains d'entre eux, voyant un scarabée passer devant eux, on leur disait, est-ce que ce scarabée est ton Dieu? Et ils disaient oui, ce scarabée est mon Dieu. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب من أصحابه من البلاء وما هو فيه من عافية حيث أن الله سبحانه وتعالى قد سخر له عمه أبا طالب يمنعه من قريش هنالك قال لأصحابه لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وإنها أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam constata le degré de torture dont étaient victimes ses compagnons, alors que lui, du fait qu'il était protégé par son oncle Abu Talib, il n'était pas victime de ces tortures. Il a donc proposé à ses compagnons, leur disant, si vous le pouvez, émigrez en Abyssinie, donc l'Éthiopie actuelle, et émigrez en Abyssinie, car le roi d'Abyssinie, est quelqu'un qui ne permet pas que l'injustice soit commise dans son pays. Et c'est une terre de vérité, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous trouve inutile. فكان أول من خرج عثمان بن عفان ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج معه من كل قبيلة من قريش خيرة شبابها فلما سمعت قريش بذلك قرروا أن يرسلوا سفارة إلى ملك الحبشة ليطلبوا منه أن يسلمهم أبناءهم الذين هاجروا إلى بلاده ووفدوا إليها. عينوا لتلك المهمة عينوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وكان من شأنهما ما سوف نتحدث عنه في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. Donc lorsque ces jeunes gens sont sortis pour émigrer en Abyssinie, le premier qui est sorti fut Uthman ibn Affan et son épouse qui était Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ensuite, ils se sont suivis les uns après les autres, et donc de chaque tribu de Quraysh, un groupe de jeunes a émigré en Abyssinie. Et donc lorsque Quraysh a entendu cette nouvelle, ils ont décidé de dépêcher une ambassade, une délégation vers le roi d'Abyssinie afin de lui demander de leur livrer leurs fils et leurs proches qui ont émigré sur sa terre. Et ils ont désigné comme ambassadeur pour cette mission Amr
Ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Et nous verrons dans la prochaine séance, inshallah ta'ala, quel était le résultat de leur ambassade. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum mimman sadaqa fi mahabbati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ittiba'i sunnatihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.